Vous me dites tous, on a besoin de temps, on a besoin de temps. Mais je vais rappeler quelques dates. 1972, rapport de Meadows qui a été convoqué par le Club de Rome, c'est une assemblée de scientifiques qui ont fait un premier rapport. C'est un premier rapport extrêmement alarmant. Tous les pays qui ont pris une énorme claque, notamment les pays développés qui n'imaginaient pas du tout la situation comme ça. On a dit aux pays développés, ok, il faut que vous changiez votre mode de vie, il faut que vous renonciez à ce mode de vie extrêmement privilégié, voilà, c'est ce que vous cherchez, pour adopter une attitude beaucoup plus éco-responsable. Les pays développés ont dit non, parce qu'évidemment, nous, en tant que bons petits Européens occidentaux, on ne veut pas changer de mode de vie. Et maintenant, on est 50 ans plus tard, on est exactement à la même situation, c'est-à-dire qu'on a besoin de temps, ok, mais on n'a plus de temps en fait. On n'a plus de temps, enfin 2038, c'est le point d'irréversibilité. Les catastrophes naturelles vont être de plus en plus nombreuses et pas que seulement sur les zones côtières. Donc je vous demande quel temps en fait. Enfin, nous, on a 17 ans, est-ce que c'est normal qu'à 17 ans, on ait limite plus peur que vous? Enfin, je veux dire, on dirait que vous croyez qu'il nous reste des siècles et pas du tout en fait. Dans 18 ans, il y a le point d'irréversibilité. Donc franchement, je trouve que c'est...